Pandore et sa fameuse boîte. Here we go! Donc Pandore, c'est un mythe ultra connu dans la mythologie grecque. Tout commence avec Prométhée qui vole le feu, le donne aux hommes, et on sait comment ça finit pour lui. En toute logique, Zeus est dans une colère noire et veut se venger. Je suis dans une colère noire! Pour ça, il va tout simplement créer la première femme avec l'aide des autres dieux. Il demande à Héphaïstos de lui modeler un corps tarpin frais avec de l'eau et de l'argile. Athéna va lui donner la vie et des vêtements, Aphrodite lui file le charme et la beauté, Apollon lui donne le talent pour tout ce qui est musique. Mais elle va recevoir aussi des dons moins sympas, comme la jalousie de la part d'Héra, ou le mensonge, la curiosité et un sale caractère de la part d'Hermès. Allez, rouge là-dessus ! Puis, Zeus s'offre à Pandore une boîte. À l'époque, c'était une jarre d'ailleurs. Pandore le sait pas, mais à l'intérieur, il y a tous les maux de l'humanité. La haine, la vieillesse, la famine, la folie, la guerre, et plein d'autres trucs pas sympatoches, mais aussi l'espoir. C'est un dieu ! Il offre Pandore en mariage à Épiméthée, le frère de Prométhée, et Pandore va donc vivre chez les hommes, et vous vous en doutez bien, ce qui devait arriver arriva. Trop curieuse, elle ouvre la boîte et tous les malheurs s'échappent. Oh bah ça alors, un piège! Il y aura que l'espoir qui aura pas le temps de s'échapper, et Pandore referme la boîte avant qu'il ait le temps de filer lui aussi. Donc merci Pandore, j'imagine. Pas vraiment ouf comme histoire, hein.